un truc des pommes, on cueille des pommes et on va les amener chez nous. C'est très bon et je vous souhaite de y aller. C'est les plus délicieuses. Non, les premiers, ils sont moins mûrs. Je vais aller vers la ferme, on y va. Oui, mais la ferme. Oui, ben, là où il y a les délices. Oui. Ah. Mais ils sont où les gars là? Mais je sais pas moi. C'est aussi c'est 8. Ouais. Là on attends, est encore. Attends, regardez, il est là. Moi j'ai. Regardez, j'ai des points. C'est aussi c'est 8 le gars là. Ouais. Là il faut reculer. Il est allé où? Non, par terre. C'est quoi? J'imagine pomme verte et elle m'a sauté dessus. Mais heureusement que tu as. Qu'est-ce qui t'a sauté dessus? Une asticot. Ouais, verre de terre. Troué. Mais tu l'as mangé après? Non, je l'ai laissé par terre et j'ai mangé la pomme. Ok. Et j'ai regardé qu'il n'y en avait pas d'autres. Au cas où. Elle juteuse. Mais quelle variété est-ce comme pomme? Je sais pas. C'est une. Je sais pas, j'ai oublié. J'en ai 10. De la fougie. Okay, j'ai trouvé quoi comme pomme? Et dans la pomme il y a un peu de blanc. D'accord. Et pourquoi ça? Pour que ça soit bon. D'accord. Ici c'est les plus bonnes que j'ai goûtées au monde. Elle est bonne ou quoi? Ah oui. Un peu plus si on n'est pas bien. Délicieux. Ça fait 3 kg de sang. Ça a le goût aux pommes du McDo et c'est des pommes bio. Ça a le goût aux pommes bio, mais ça c'est sert... beaucoup plus mieux. C'est fait avec un. Monsieur, ça sert à quoi ça? C'est la fin de la récolte pour aujourd'hui et on se retrouve pour le prochain épisode. Bonjour. Tout le monde dans les bottes? Oui. C'est parti. Oui. Les anciens disaient que quand on avait du romarin à la maison, on n'avait pas besoin de médecin. Ça fait plein de choses. Puis c'est bon. Vous voyez, petites racines, comment ça, elles vont partir comme ça? Elles vont monter là, jusque-là. Et elles vont faire ces longues tiges. Et à la fleur, au bout, vous aurez comme une fleur de tournesol, un peu plus petit. Ça, c'est les vraies fèves. Voilà, moi. Après, les fèves des galettes, c'est du blé. Aïe, ah, ça fait pas mal, ça. Ça fait des. Ça creuse la terre, ça fait comme des traits dans la terre. Et après, c'est utile pour planter les graines et tout ça. 1, 2, 3. Oh oui. Allez. Il y a un chat à faire. Vous êtes tout préparés? Ça, sur une pizza. Non. Mais on ne sait pas de l'origine. Oula, la viande.
Ah non, non, ça, ouais. C'est pas de l'origan, non, non. C'est de la sarriette. Ah oui, d'accord. Tu t'en rappelles? Sarriette. Des serviettes. Des serviettes. Des serviettes. Des serviettes. Alors, tu veux quoi? Des pots? Ah, tiens, trois en plusieurs. J'arrive, j'arrive, je fais le tour, je fais le tour, je fais le tour. Moi, j'en veux. Là. Là. Ça, ah, désolé. Juste. On a mis tous les trois. On va s'installer. Et puis on va goûter le miel surtout. C'est qui aime le miel? J'aime pas le miel. Ah mince alors. Et je vais vous expliquer comment les abeilles fonctionnent et comment la ruche elle fonctionne aussi, parce que c'est un vrai puzzle. Et ensuite, on ira planter un petit arbre pour les abeilles. Parce que les abeilles, sans l'environnement et sans les fleurs, eh ben, elles font pas de miel. Leur manque sur les fleurs. Hein. Alors, il a goût de quoi? C'est pas le même. De bonbons. À l'intérieur, on a ce qu'on appelle des cadres. Donc on va en avoir 10 comme ça. Et on les range comme des feuilles à l'intérieur. Comme ça. Et en ce moment même, on a des nids d'abeilles avec des œufs de la taille d'un ballon. Donc à l'intérieur ici, on a l'équivalent d'une boule. Où ce n'est que des bébés, des larves. La poignée. Il y a des fourmis. Alors c'est pas grave. Tu leur dis de partir comme ça. Voilà. Bon, nous on dépend avec. On dépend. La poignée et tu évites de faire le plastique. Ne sois pas gênée. Les abeilles viennent naturellement se poser dans la housse. Bah, elle perd une partie de son abdomen. Voilà. Et alors la reine peut faire pareil. Après la peinture. Donc nous on va s'arrêter là. On se met un petit peu en retrait là. Et vous observez les ruches, vous dites ce que vous voyez. Des abeilles. Est-ce que vous voyez des abeilles devant les ruches? Oui. Oui? Non. Non? Tous oui. Les petits points que tu vois voler. Tous les petits points devant là, les ruches devant. Attends, non, on va pas faire l'appel dedans. Là, je le récupère gentiment pour pas lui faire de mal. C'est comme si on avait donné la possibilité aux abeilles d'avoir plus de nourriture encore. Et pour ça, merci beaucoup d'avoir planté un arbre, les enfants, parce que vous avez fait une bonne action. Check. Super. Ouais. Super. Allez. Super. Ça va? Oui. Vous êtes venu voir l'étiquette? Oui. Ouais. Vous voulez les boire? Oui. C'est bien. Tu as mangé? C'est moche. Ça c'est un peu bizarre parce que c'est normal dans une chèvrerie, mais après elles ont un peu peur,
il y a les femelles séparées des mâles. Et il y en a une que vous pouvez voir sur la paille, là-bas. Ouais. Et le monsieur, il ouvre la porte et il nous a laissé rentrer. Et allez, on branche. Non, là, c'est là. Et voilà. Et voilà. Le lait, il part en fromagerie qui est juste derrière. Et c'est là où on filtre le lait. Des fromages. Et après, on fait des fromages. Il y a une paire de bouteilles de lait. Du lait, du yaourt, du fromage blanc, tout ce qui est à base de lait, mais que de chèvre. Ferme de Fort Boyard. C'est quoi ça? Vous avez dans la famille mouton, vous avez la maman. Vous savez comment ça s'appelle la maman? La brebis. Voilà. Le papa, vous savez comment il s'appelle? Oui. D'autres questions? Oui. Comment vous tuez les vaches? Les vaches, c'est à peu près le même système. Oui. Alors, une autre question? Comment ça se tue les poules? Allez voir les volailles. Alors, je vais pas vous faire rentrer dans la volière parce qu'on va être à l'étroit. Je vais en attraper une et je vais ressortir avec. Parce qu'après, je vais la lâcher. Hein. Et elle va faire quoi? Elle va faire côte-côte. Allez, hop. Vous voyez, elle arrive à amortir la chute, mais elle n'est pas faite pour s'envoler. Comment les tuer les canards? Allez. Faire les taureaux s'ils nous attaquent ou les vaches. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris alors qu'il fallait se mettre en boule et se protéger la tête. D'accord. Okay. Comme ça, quand on roule, ça amortit la chute. S'ils nous donnent des coups de corne. C'est pas doux. Il fait... Mais comme les petits jouets que vous avez pour les animaux, vous voyez. À l'enclos des cochons, ça sentait mauvais. Ah bon? Oui. Et ils font quel bruit, les cochons? Ils crient très fort. Oui, comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim? Oui. On a appris que dans les bonbons il y avait du cochon et que les canabais, elles faisaient des œufs avec blanc. Ils étaient tout sales. Tout sales, même les poules, elles font des œufs tout sales.